Salut les amis, c'est MM Simulator. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur Fortnite, je vous avais pas encore présenté ce jeu. Je l'ai acquéri déjà depuis un petit moment, depuis sa sortie, même depuis sa sortie en accès anticipé. J'ai pris le premier pack fondateur, donc à 50 euros. Plutôt sympa. Donc là ils ont sorti un nouveau Battle Royale. On va tester ça tout de suite si c'est possible. Ouais. Bon, on va entrer, j'ai pas le choix du joueur, c'est parfait. Tant pis, hein. Donc c'est la première fois que j'essaye ce mode de jeu. 14%. 5%, ah oui. Voilà. Donc je sais pas vraiment du tout à quoi ça correspond, enfin, en termes de... Je sais que c'est un PVP, hein, mais d'ailleurs on va mettre mon jeu en tic, voilà c'est parfait. Je regardais si c'était bien en JCJ, en QVERTY, parce que mon jeu est en QVERTY. D'ailleurs on va essayer de faire un petit truc, hein, on va tricher un peu. On va essayer de jouer en... Ah, il y en a qui disent qu'il est bugué, on verra bien. Donc en gros, on est... Mais aussi c'est compréhensible, d'après ce que j'ai compris, c'est 100 joueurs. Les uns contre les autres, je pense, non? Ah, ok. Ok. À première vue, ça a l'air plutôt sympa. Bon, j'espère que le jeu est pas trop bugué, justement. Donc on a un inventaire indépendant. Ok. Oh. Donc ok, je ne comprends rien, hein. Je suis vraiment comme vous. Au final, on a strictement rien, donc on repart de zéro en fait quand on vient ici, c'est bien. Ouais, ça fait un peu penser à PUBG en fait, mais plus cartoonesque on va dire. Ouais, c'est plutôt cool. Je sais pas ce qui se passe en fait. Ah oui, on va atterrir dans... Ah oui, ok. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, donc c'est un début. Ouais, c'est vraiment un PUBG en fait. Ben, ça ressemble plutôt à un truc du genre PUBG, hein. De mon point de vue. Non, on veut pas trop aller par là. On va s'éloigner un peu des autres parce que sinon après... On risque de mourir tout de suite parce que je suis vraiment pas bon à ce genre de jeu. Je suis pas trop un joueur PVP, faut le savoir. Non mais... Donc je sais pas si vous connaissez bien ce jeu, Fortnite. C'est un jeu plutôt sympa. Quand même pas mal basé sur de la construction, on va dire. Donc voilà, hop. Ça commence déjà à shooter dessus, j'ai l'impression. Ok. Je suis pas très bon du tout dans ce genre de jeu. On va se débrouiller avec.
Donc des munitions de roquettes, ok. Donc je suis bon. On va essayer d'aller dans la grotte là-bas. Aïe, aïe, aïe. Bon, comme je vous dis, je vais pas durer longtemps. Aïe, bon, bah voilà, c'est fait. Bon, ça... Mais je trouve pas que ça bug tant que ça. Il y en a qui disaient que ça buguait. Je trouve pas du tout, c'est plutôt... correct. Donc on va s'en relancer une vite fait. Je pense que le jeu va être un peu fort. Donc c'est pour ça que... Bon. Non franchement je trouve pas que ça bug, moi je trouve ça parfait. Bon ça manque un peu de... Moi je suis... Franchement je vous dis clairement je suis pas du tout... je suis pas du tout dans ce mode de jeu en fait d'habitude. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas bon. Voilà. Donc il y a peut-être des moments où ma voix est un peu d'être différente parce qu'en gros je suis... Donc ok, on n'a pas le droit de jouer en équipe. Franchement je connais pas du tout cette partie de jeu. Est-ce que c'est... Franchement j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout comment ça... Comment ça joue. 98, ok. 98 joueurs. Parfait que vous voulez... Vous le voyez pas mais moi... Non on est à 100... moi je suis à 60 FPS là tranquillement en train de jouer. Et normalement dans les jours à venir vous devriez avoir une petite surprise entre parenthèses parce que j'ai commandé un petit truc sur internet assez sympathique. Ah mais ok mais en fait on peut il y a des armes et tout là. Voilà pourquoi je me suis fait enculer dès le premier tour. Hein, tout de suite. Ah ouais. Il y a des mecs qui cheat. Non mais voilà mais après il y a des trucs quoi. Mais voilà, en gros, comme je vous dis, ça fait à peine... je viens juste de faire la mise à jour où ils disent qu'ils ont rajouté ce mode de jeu, en fait, le JCI. Et franchement, je voulais essayer, voilà. Je viens juste de voir qu'il y avait une mise à jour. Donc c'est pour ça que je voulais essayer et voir ce qu'il y avait de nouveau. Oh, il y a une prison aussi. Mais en fait je vois à quoi ça correspond en fait le fait de venir ici. Je pense que c'est... Ouais, je sais pas. En fait je sais même pas si on les garde parce qu'il me semble que dans PUBG il y a à peu près la même chose. Mais après tu le gardes pas en fait. Ça tu le gardes pas donc c'est un peu normal. Voilà, donc je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. Vu que les gens tirent dans tous les sens, ça me paraît un peu normal que on ne puisse pas faire ce que je pense faire en fait. Donc allez, on part. On va plutôt par là, là. Non, donc on perd tout ce qu'on avait dans le... Dans le truc. En fait, le truc c'est qu'il faut déjà arriver à comprendre comment fonctionne l'engin, en fait. Bon, j'ai déjà des balles, c'est déjà pas mal.
mais en fait le truc c'est que je savais pas. Mais et comment on trouve ces putains d'armes, sérieux? Depuis le début, vous êtes témoin. J'ai trouvé des. J'ai trouvé des balles, mais jamais les armes qui allaient avec. Je suis pas bon dans... Je sais que je suis pas bon. Mais voilà. Donc ce que je voulais. Là je vous ai montré ça. Donc il y a l'autre partie. Chose qui est plus connue sur YouTube. Et même sur l'autre. Sur d'autres. Machin, donc je suis déjà à ça de récompense. Je suis déjà sur Villeplanche aussi. Donc pas mal de talent. On arrive à être full aussi. Tac, donc on va remplir d'abord celui-là. Tac. Je veux pas faire de comment ça s'appelle de trucs pour l'instant, de mission. J'en ferai peut-être une dans une prochaine vidéo sur ce jeu si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et surtout n'hésitez vraiment pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Donc on a des expéditions, on a vraiment pas mal de trucs. Donc je suis déjà niveau 26, j'ai 26 de puissance, c'est pas un niveau, c'est un niveau de puissance en fait, c'est pas réellement un niveau. Donc qui est pris en considération avec le héros que vous avez. Donc moi c'est un héros 3 étoiles déjà. Donc plutôt pas mal au final. Déjà niveau 30 je crois. Ouais c'est ça, 30. Donc il y a tous les bonus possibles et inimaginables. Après on a... j'ai le droit aussi à une section de bonus qui me permet... augmente la capacité des munitions des armes de 10%. Donc chaque héros a une spécialité en fait qu'on puisse mettre dans les bonus de sélection. Après bah, on a pas mal de trucs au final. Même lui je peux le changer, non? Ouais. Non c'est la même chose en fait. C'est exactement pareil. Tac. Donc voilà, après on a les sélections qui jouent aussi sur le niveau, donc le nombre de tous ces personnages là. Tac. Donc ça joue aussi sur le niveau de la personne. Ah ouais, c'est là. Ah ouais. Ok. Donc voilà, après que vous dire de plus, ils ont pas mal changé l'interface depuis la dernière fois que j'ai joué. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire, enfin, à changer. Si vous voulez aussi peut-être, je sais pas, jouer avec moi si vous avez le jeu. Parce qu'en ce moment j'ai pas mal de joueurs avec qui je jouais avant. J'ai fait une ou deux parties et puis au jour d'aujourd'hui il n'y a plus personne qui joue. C'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que c'est un bon jeu. Qui a du potentiel on va dire. Bon c'est pas terrible pour certaines choses. Surtout moi je trouve que c'est pas vraiment bien foutu au niveau des personnages. Donc comme vous voyez j'ai déjà pas mal de bonnes armes. Surtout celle-là là, le défragmenteur. Le défragmenteur tout court. Une légendaire que j'ai eue. C'est la seule légendaire que j'ai. Qui est vraiment une arme de malade. De malade, quand je dis de malade, c'est de malade. Donc qui est très intéressante. Et puis aussi j'ai le harceleur de fondateur qui est une très bonne arme aussi en plus. Donc en plus là le truc c'est que je crois qu'il faut que je fasse une défense de bouclier, c'est ça. On va dans jouer. Ouais c'est ça. Donc faudrait que je fasse une défense de bouclier. Donc c'est vraiment pas mal, j'aime bien ce jeu. J'ai déjà fait pas mal là on va dire, pas mal de morts. je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir mourir encore plusieurs fois sur la version JCJ de ce jeu. Là c'est vrai que j'ai vraiment pas eu de chance. Je suis tombé que sur des munitions. Mais zéro en armes. J'ai pas eu une seule arme depuis le début. C'est vraiment pas facile. Donc voilà. Donc moi je vais vous dire à la prochaine. C'était MM Simulator. Ciao ciao.